bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'éclectualité. Nous sommes lundi et c'est parti pour le choix du thème de la semaine. Alors, cette semaine, nous allons parler... De quoi va-t-on parler ? Ah, de l'éthogramme. Sympa. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qu'un éthogramme, comment on fait un éthogramme, quelle est son utilité. Et pour le reste de la semaine, chaque jour, je vous parlerai d'une particularité d'un oiseau. L'éthogramme, c'est en réalité une sorte de recensement de tous les comportements naturels d'un groupe d'animaux ou d'un animal en particulier. Chez les perroquets, il est important de pouvoir établir un éthogramme selon l'espèce et selon aussi la famille dont Psittacidae pour pouvoir définir quel comportement est propre à un individu et lequel est propre à son espèce. C'est ainsi que l'on pourra voir si cela est un trouble, si cela est une variante d'un comportement déjà présent chez l'espèce ou tout simplement d'une invention de notre individu. Donc, dans l'éthogramme, on va recenser comment on s'occupe des bébés, comment est-ce qu'ils se nourrissent, comment est-ce qu'ils dorment, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils communiquent, etc., etc. Établir ou en tout cas connaître l'éthogramme de son espèce, c'est très important pour pouvoir adapter au mieux la captivité de son oiseau au milieu humain. Je vais m'expliquer, vous allez voir. Quand vous achetez ce genre de cage, comme vous avez derrière moi, vous avez toujours la possibilité de mettre une grille au fond de cette cage. Et bien, si vous ne savez pas quel oiseau aime aller en fond de cage, ou en tout cas aller au sol, et ceux qui n'y vont jamais, vous ne savez pas si vous devez la mettre ou non. Lorsque vous établissez un éthogramme, il faut tenir compte de l'âge de l'oiseau, car l'oisillon n'a pas les mêmes comportements que l'oiseau prépubère, que l'oiseau mature. Donc il faut faire attention et tenir compte de ce détail. Il ne faut pas oublier aussi qu'un éthogramme n'est pas exhaustif. Ça veut dire que l'on peut toujours le modifier, il peut toujours se rajouter des observations et il évolue selon le milieu de l'oiseau. Il faut donc toujours, lorsque vous observez un comportement, regarder le contexte de ce comportement et vous demander si en milieu naturel c'est normal ou si c'est vraiment propre à l'individu. Voilà, je crois que j'ai posé les bases pour pouvoir vous parler un petit peu d'éthogramme et à partir de demain, nous allons voir une espèce par jour qui a des petites particularités dans son éthogramme. Ça piaille déjà, hein. On va parler de l'éclectus et d'une propriété vraiment qui est seule à l'éclectus, en tout cas répertoriée jusqu'à maintenant. C'est la polygamie. Et oui, notre cher éclectus n'est pas fidèle en amour. Je dis que c'est plutôt rare parce que chez les perroquets, en règle générale, un couple se forme à vie. Dès que madame a choisi monsieur et inversement, jusqu'à la mort de l'un d'entre eux, il n'y a pas de séparation. Les chercheurs se sont aperçus que la femelle éclectus, lorsqu'elle était au nid, recevait les faveurs de plusieurs mâles et que les mâles allaient donc visiter plusieurs femelles. La raison est toute simple, hein. La raison c'est que ça maximise les chances pour le mâle de transmettre ses gènes et pour la femelle, ça maximise les chances de survie car elle a plus de mâles pour s'occuper d'elle. Maintenant la question c'est à quoi ça nous sert de savoir ça lorsque nous avons des éclectus en captivité chez nous? Eh bien tout simplement, cela nous permet de savoir et de comprendre pourquoi ils ne sont pas aussi fusionnels avec leurs détenteurs que peuvent l'être les autres espèces de perroquets. C'est aussi un bon truc, entre guillemets, pour savoir que l'éclectus est un bon perroquet de famille car il s'entendra très bien avec tout individu. Connaître ces traits spécifiques de l'éclectus permet donc de se rassurer, de se dire que c'est pas parce qu'on fait quelque chose de faux que notre éclectus n'est pas fusionnel avec nous. Et cela permet aussi de bien choisir son espèce. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire sur les éclectus et leurs particularités, mais on a dit une par jour. Et d'ailleurs, demain, je vous parlerai d'un autre perroquet qui a lui aussi ses petites particularités. Bienvenue.
en ce mercredi 20 octobre. Une date très spéciale, une amie chère à mon cœur, ma meilleure amie, fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, bon anniversaire. On est toujours cette semaine dans le thème de l'éthogramme et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit souci de circonstance. Vous allez comprendre, on va parler de la respiration des pionus. Le thème est approprié parce qu'aujourd'hui, je vais devoir emmener Prune chez le vétérinaire car elle a des petits soucis respiratoires depuis hier où elle respire vraiment difficilement, enfin c'est ce qui semblerait. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'image, mais en fait, on la voit respirer. Et ça, ce n'est pas normal. Un perroquet, on ne doit ni voir ni entendre sa respiration. Vous voyez le léger mouvement de balancier qu'elle fait avec sa queue ? Ça montre qu'elle a un petit peu de peine à respirer normalement. Voilà, vétérinaire aujourd'hui pour Prune. Je vous tiendrai au courant, je vous tiendrai bien sûr informé de ce qui se passe. Mais pour aujourd'hui, on va donc parler respiration et voir pourquoi connaître l'éthogramme de son oiseau est important. Chez les pionus, comme Haïku, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une respiration qui s'entend et une respiration forte à certains moments. Alors voilà, ce que vous avez pu entendre, quand je le caresse, il fait des petits comme ça. Ça, ce sont en fait des soufflements qu'ils émettent lorsqu'ils ressentent une excitation ou une émotion un petit peu plus forte qu'une autre. Comme c'est des émotions plutôt de plaisir, ça va être des petits soufflements comme ça, tout mignons, tout doux. Mais par contre, s'ils sont en colère ou s'ils sont énervés, vous aurez presque l'impression que votre oiseau devient asthmatique. On aurait tendance à s'inquiéter, hein, à se dire « Mais mon Dieu, mon oiseau respire bizarrement, c'est pas normal, pourquoi ?» etc. et paniquer et l'emmener chez le vétérinaire. Alors que si vous connaissiez l'éthogramme de votre pionus, vous saurez que c'est tout à fait normal. Avant de s'inquiéter, il faut se renseigner. Avant de prendre n'importe quel oiseau, renseignez-vous sur son éthogramme, sur ses spécificités. Sans connaissance de cette spécificité dans l'éthogramme du pionus, je me serais inquiétée et j'aurais fait des frais vétérinaires en réalité pour rien, car tout va bien chez Haïku. A l'inverse, savoir que ce genre de respiration n'est pas normal chez les autres perroquets me permet de m'inquiéter à juste raison pour Prune et donc d'aller chez le vétérinaire en connaissance de cause. Sur ce les amis, moi je vais vous laisser, je vais aller me préparer et puis aller chez le vétérinaire et je vous tiens au courant de qu'est-ce qu'il en dit pour notre petite Prune en espérant que ce soit rien de grave et juste un petit refroidissement. Et j'aimerais encore une fois souhaiter un joyeux anniversaire à ma chère Dève. Allez, joyeux anniversaire à toi. Rebonjour, alors je reviens de chez le vétérinaire, comme promis je vous donne des nouvelles de Prune. Alors ce qui se passe c'est qu'on n'a pas pu faire de radio parce que pour faire une radio à un perroquet il faut pouvoir l'endormir. Et comme Prune et Shina ont déjà eu une anesthésie il y a à peu près un mois quand on a été faire le puçage, et c'était un petit peu dangereux, un petit peu risqué d'en faire une tout de suite, surtout si elle a des soucis respiratoires. Donc ils pensent que ça va être... peut-être une bactérie ou un champignon ou au pire l'aspergéliose. Mais là, il m'a donné des antibiotiques à lui donner pendant une semaine, une fois par jour. Et on fait le bilan dans une semaine, voir si elle va mieux. On parlait d'une particularité de la calopsite et un peu plus généralement des cacatoès, de toute la famille des cacatoès. Mais c'est chez la calopsite que c'est le plus flagrant et le plus connu, vu son nombre dans nos maisons. Chez la calopsite, et donc chez toute la famille des cacatudés, car oui, la calopsite fait partie de la même famille que le rosalbin, que le cacatoès de Gauffin, que le cacatoès à huppe jaune, ou même le cacatoès de Banks. Cette particularité vient donc par rapport à la nidification. La calopsite et les cacatoès, contrairement aux autres familles de perroquets, se relaient au nid pour s'occuper des petits. En effet, la plupart des autres espèces de perroquets, la femelle reste au nid tout du long et c'est le mâle qui fait des allers-retours pour nourrir sa femelle qui elle-même nourrira les petits. Et ce n'est que lorsque les petits ont déjà bien grandi
que la femelle laissera le mâle entrer dans le nid et s'occuper à son tour de donner la béquée à ses oisillons. Et donc chez les cacatoès, c'est assez différent car le mâle relaie sa femelle au nid même lors de la couvaison. Il y a juste pendant la ponte que la femelle s'approprie exclusivement le nid, mais dès le dernier œuf pondu, le mâle va la relayer à raison de l'un qui couve la journée et l'autre qui couve la nuit. En règle générale, la femelle couve la journée et le mâle couve la nuit, mais ça peut être l'inverse selon les couples. Le papa, dès le premier jour, s'occupe de ses oisillons, s'occupe de les nourrir, de les nettoyer et de les tenir au chaud. Donc voilà, ça c'est la grande différence entre l'ordre des cacatuidés et les autres familles de perroquets. Connaître cette particularité va vous permettre, surtout si vous avez des femelles, de comprendre comment agir s'il y a des pontes non désirées qui sont hormonales et qui peuvent arriver avec ou sans mâle. N'importe quelle autre espèce de perroquet qui femelle, hein, qui va pondre son œuf et qui sera à même de le couver, va être demandeur d'être nourrie et d'être qu'on s'occupe d'elle alors qu'elle s'occupera de l'œuf. Il y a un relais au nid. S'il n'y a pas de mâle pour aider la femelle dans sa couvaison et donc par la suite pour les oisillons, la femelle va s'épuiser à rester au nid et à attendre qu'on vienne prendre le relais. Imaginez un travail qui devrait ne prendre que 12 heures dans la journée, hein, soit la moitié du jour pour la femelle, l'autre moitié pour le mâle, qu'elle doit assumer toute seule la totalité de la couvaison, c'est compliqué. Donc, sachant qu'il lui faut un relais au nid, à vous de trouver une astuce pour qu'elle ait l'impression que quelqu'un vienne la relayer, ou alors, à ce moment-là, il va falloir se débarrasser des œufs une fois la ponte établie. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de cacatuidés ou qu'il s'agisse d'autres types de perroquets, il faut faire très attention à ce que la femelle ait suffisamment à manger, à boire et quelques vitamines. Voilà, j'espère vous avoir appris un petit quelque chose sur vos cacatoès. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds toujours, toujours avec plaisir. Dernier jour autour du thème de l'éthogramme et nous allons parler aujourd'hui de l'anasome. Autant il y a quelques semaines, dans un autre éthogramme, nous avions vu le besoin du gris du Gabon à rester longtemps avec ses parents, autant chez les Amazones, c'est plutôt l'inverse. Les Amazones ne sont pas des parents très très investis. Dans la nature, dès le moment où un petit prend son envol et est capable de se nourrir seul, les parents le mettent dehors. Le bébé Amazone, n'ayant toujours pas non plus fini sa socialisation, va lui apprendre au sein du groupe beaucoup plus de choses que les autres perroquets que eux apprennent de leurs parents. Savoir cela et l'avoir inscrit dans l'éthogramme est important car cela nous apprend qu'un bébé Amazone pourra beaucoup plus facilement s'adapter et se socialiser dans une famille humaine dès son plus jeune âge. Donc en soi, un Amazone a moins besoin de cette protection maternelle, de cette présence 24 heures sur 24 que peuvent avoir besoin eux, les gris du Gabon et d'autres espèces où les parents s'occupent de leurs petits plus longtemps. Alors qu'un petit Amazone de 3-4 mois sera déjà beaucoup plus enclin à apprendre les règles et à bien se comporter en société. Voilà, voilà, c'est la fin de cette vidéo pour cette semaine d'éclectualité. Je crois que c'est la 15e semaine déjà que nous faisons. Et je vous donne donc rendez-vous soit lundi sur Instagram, soit dimanche prochain pour la rétrospective des éclectualités.